les entreprises s'engagent, une entreprise qui recrute et qui va aussi nous raconter son histoire, son parcours. On va parler de l'hôtel Baudelaire. Bah oui, c'est tout un programme, évidemment, qui se trouve rue Sainte-Anne, au cœur de Paris. C'est un très, très bel hôtel. Et on en parle avec Alice Belfer. Bonjour, Alice. Bonjour. On est très, très heureux de vous accueillir. Alors, directrice du management de l'hôtel Baudelaire, mais c'est une histoire de famille, pour se le dire simplement. Oui. Vous êtes la fille de celui qui a créé cet hôtel ? C'est ça. Enfin, l'hôtel existe depuis le XVIIIe siècle. D'où Baudelaire, d'ailleurs. D'où Baudelaire, qui a vécu. On a beaucoup de personnalités qui sont passées dedans, des écrivains. Il y a un petit panneau dans la chambre où Baudelaire dormait, parce que c'est... On ne sait pas où il a dormi. On ne sait pas où il est. Il y vivait ou il y dormait ? Excusez-moi. Bon. Il y dormait, il y est resté pendant un an et demi. Il a écrit une lettre à sa maman. Ah, c'est ce fameux hôtel où il a écrit une lettre à sa maman. Oui, tout à fait, lui demandant soit sa présence, soit de l'argent. De l'argent. Il ne peut pas lui refuser les deux. L'histoire ne dit pas si sa mère est venue ou si elle lui a envoyé de l'argent. On sait qu'il a mené l'enfer à sa mère, Baudelaire. Qui était oui, toujours, il a une vie dévergondée par rapport aux aspirations assez puristes, puribondes de sa maman et surtout de son beau-père. Exactement. Alors, revenons à votre hôtel, cet hôtel Baudelaire. D'abord, juste un mot. Comment on sort d'une crise aussi forte que la crise Covid qui a impacté très directement votre secteur ? Alors oui, l'hôtellerie, café-restauration, on a été terriblement impacté par le Covid. Il y a eu une très belle reprise en septembre et ensuite une redescente en décembre suite au énième confinement, enfin au énième problème et la cinquième vague Covid. On s'en sort bien. On a survécu déjà, donc on est très content. On est resté fermé pendant un an et on a retrouvé toute l'équipe au complet. Quand il a fallu revenir, tout le monde est revenu. Alors tout le monde était là parce que tout le monde avait été mis en formation. Tout le monde était très content d'être en formation. Mais on a décidé de nourrir notre esprit en fait et de ne pas s'arrêter. Donc on a repris. Évidemment, la reprise a été un peu musclée, mais on était très content de retrouver les gens en fait. On était plein de gratitude de retrouver notre clientèle. Oui, de faire revivre, d'accueillir, de faire rentrer des touristes, ou pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des touristes qui viennent dans les hôtels. Clientèle d'affaires et touristique, oui. On a changé de clientèle en cours de route. C'est moins de touristes, un petit peu. Plus de touristes français, ça revient. En fait. Oui, oui. Et c'est les Français qui découvrent Paris. C'est les Français. Et quand le télétravail a été arrêté, à ce moment-là, il y avait plus de touristes. On change de catégorie de clientèle et c'est super. Alors, il y a des choses qui vous tiennent très à cœur dans la gestion de cet hôtel. D'abord, trois recrutements qui sont prévus, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Ça, c'est très intéressant. Donc, ça veut dire que vous accélérez par rapport à la taille de votre hôtel. Vous dites, on accélérait, on recrute, donc on améliore la qualité de service. C'est aussi cette idée. Et puis, il y a chez vous quelque chose de très important autour de la notion d'inclusion, du handicap, l'idée d'encadrer, d'accueillir des personnes en situation de handicap. Pourquoi c'est si important pour vous ? Il faut du sens dans le travail. À titre bénévole, à côté, je travaille beaucoup pour aider les gens qui sont en situation de handicap à trouver des subventions, des aides, des compensations. Parce que vous dites, vous remplissez les dossiers. C'est très compliqué. C'est la guerre des acronymes et ça prend beaucoup de temps. Et il y a une véritable exclusion parfois dans le handicap. Avoir moins de chances d'avoir un travail. Avoir des demandes qui plus de demandes d'argent en fait, ça coûte de l'argent. Par exemple, les personnes malvoyantes qui peuvent avoir du mal à rentrer seules le soir tard à cause de l'obscurité, ça veut dire taxi, ça engendre des frais. Et nous à l'hôtel, on a vraiment cette très saine obsession, mais c'est une vraie obsession, d'inclure les personnes en situation de handicap. Combien de personnes là, vous avez? Trois personnes. Trois personnes en situation de handicap. Nous avons trois travailleurs handicapés et avec la volonté et la nécessité d'accueillir trois nouveaux salariés et on aimerait vraiment qu'ils soient en situation de handicap. Donc les trois nouveaux dans le recrutement, l'idée c'est de vous tourner vers des personnes qui sont en situation de handicap. Tout à fait. Alors rentrons un peu dans le concret parce qu'il y a aussi un énorme travail que vous faites sur, j'allais dire, l'exosquelette pour aider les salariés à limiter les poids, faire en sorte que les matelas, évidemment, qui sont très lourds, portés. Ça, c'est aussi une volonté d'améliorer la qualité de travail de vos collaborateurs. Ouais, c'est très important. Il faut aller au travail et être content d'y aller. Il faut aller au travail et pas avoir mal au dos. Il faut aller au travail et se dire qu'il n'y en a plus que jusqu'à 17 heures. Enfin, il faut être content d'aller au travail. Et je pense qu'on peut avoir des peines de cœur, on peut avoir plein de peines, mais pas des peines physiques et pas de peines émotionnelles au travail, au moins sur le lieu du travail. Vous avez plein de... il y a pléthore de moyens de compenser des situations de handicap. Je pense au lève-lit, par exemple. Vous appuyez sur un bouton télécommande et le lit se lève.
Le matelas et sommier. Le sommier et le matelas se lèvent, oui. Se lèvent jusqu'à hauteur de travail, donc vous n'avez pas toutes les... Et de manière à pouvoir passer en dessous, de pouvoir... C'est ça l'objectif. Faire le lit sans avoir des... Et d'être à la bonne hauteur. Extension. Voilà, d'accord. Exactement. Donc vous avez ça, vous avez des nettoyeurs vapeur, il y a tellement de solutions qui sont inconnues à la fois du grand public et des chefs d'entreprise, souvent, pour faciliter le travail en chambre. Vous l'avez mis en place, déjà, vous êtes en train de le mettre en place. Ouais. Mais excusez-moi, ça veut dire que vous allez recruter 3 personnes, notamment, vous dites 3 personnes en situation de handicap, mais c'est un surcoût pour l'entreprise quand même, ce matériel. Oui. J'imagine. Oui. C'est un investissement quand même. Pour être honnête, il y a un surcoût. Il y a un surcoût qui, encore une fois, moi, dans mon sens éthique de rendre la vie un peu plus facile au travail. Mais il y a aussi les subventions. Vous avez les CRAMIF, la CARSAT, qui prend à hauteur de 50% les frais d'ergonomisation des postes. Et le maintien dans l'emploi, là, c'est assez particulier parce que ça s'applique à une personne seulement. Et vos interlocuteurs sont Cap Emploi et la GFIP. Mais il y a... Et je pense que beaucoup de directrices et directeurs d'hôtels ignorent toutes ces solutions. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment important de les mettre en place. Vous êtes venu nous en parler, parce que vous êtes vraiment aux manettes d'un hôtel, au concret, accompagné. Combien de collaborateurs vous avez dans cet hôtel ? On a 7 collaborateurs. 7 collaborateurs, plus 3 bientôt. Oui. Vous avez lancé la campagne de recrutement ou pas ? Oui. Comment ça se passe ? Parce que la réalité, il y a eu le Covid, bien sûr. Le café-restauration, pour certains, était fermé, ceux qui n'avaient pas de terrasse. Et puis, il y a eu beaucoup de reconversions professionnelles. Vous avez perdu beaucoup de collaborateurs. Alors non, non. Non, pas que, vous, mais je veux dire la profession. Oui, la profession a perdu énormément de collaborateurs. C'est un marché du recrutement qui est en tension. Ce n'est pas évident de trouver des gens. Et encore moins évident de trouver des personnes en situation de handicap parce que l'hôtellerie... café-restauration en général, a assez mauvaise réputation pour une raison que j'ignore, alors qu'on est inclusif et qu'on peut faire travailler des personnes en situation de handicap. Ah, mauvaise réputation, encore une fois, c'est un très beau métier. D'ailleurs, vous le dites vous-même, vous adorez l'hôtellerie, vous aimez ce métier, enfin, vous y êtes né, j'allais dire, donc il y a cette espèce de passion. Mais c'est vrai que c'est des horaires parfois décalés, parfois c'est compliqué quand on a des enfants. Enfin, tout ça, c'est des choses, évidemment, qui sont entrées en ligne de compte pour ceux qui ont quitté le métier. Oui, et je le comprends. Et je pense aussi que tous les salariés ont droit à une vie familiale, à des hobbies, à des sorties et à des horaires pas trop décalés et à une revalorisation des salaires qui est déjà actée à partir d'avril. Donc oui, je ça, pense c'est acté, que, hein, c'est 9%, ouais, c'est ça. Oui, on passe de 10,57 à 11,09, je crois, ou 11,04. Ouais. Donc, ouais. Vous dites un grand sourire, c'est quand même intéressant. Bah, oui, mais oui, parce que les veilleurs de nuit travaillent tard, c'est pas évident de... Votre hôtel a un veilleur de nuit toute la nuit. Toute la nuit, oui. C'est-à-dire qu'il démarre à 23h ou 22h. 20h-8h. 20h-8h, c'est-à-dire qu'il occupe l'espace d'accueil toute la nuit. Oui, tout à fait. Mais c'est des métiers difficiles. Il y en a qui adorent ça. Pour avoir été veilleuse de nuit pendant un petit moment, je trouve ça très dur d'être décalée. Et, voilà, mais il y a des gens qui adorent ça. Et c'est vrai que l'ambiance de nuit est très différente de l'ambiance de jour, peut-être un peu moins sollicitée. Donc voilà, mais tout ça veut dire qu'il faut rendre le travail agréable. Et le travail agréable, ce n'est pas seulement dans les chambres, c'est aussi à la réception. C'est avoir des logiciels qui sont accessibles, c'est d'avoir des ergotrons qui vous permettent de lire l'ordinateur directement et de replacer l'écran. C'est d'être installé de manière ergonomique. Il faut que l'ergonomie soit sur le milieu du travail. Un tout dernier mot, Alice Belfer. Dans le recrutement que vous faites, et vous nous l'avez dit ici à l'antenne, vous souhaitez des personnes handicapées, mais il faut quand même que ces postes, malgré toutes les aides que vous faites, d'outils, de vapeurs, de lits qui s'élèvent, il faut que les personnes puissent quand même faire le travail. Ce n'est pas si simple. Oui, il y a plusieurs types de handicap, évidemment. Alors, tous les handicaps ne sont pas compatibles avec tous les postes. On est d'accord. Oui, on ne pourrait pas prendre une personne qui est PMR, fauteuil roulant, pour faire des chambres. Ça, c'est évident. C'est impossible. Mais néanmoins, il y a pas de boulot impossible, il y a juste beaucoup de compensations possibles. Et le maintien dans l'emploi, c'est justement de faire ces compensations pour améliorer et surtout rendre possible le travail pour toute personne. Et tous les outils que vous mettez en place dans l'hôtel Baudelaire, c'est rue Sainte-Anne. Ouais. Si un jour vous n'avez pas envie de passer une nuit là où Baudelaire a dormi, si vous aimez la poésie. Dans la rue des Japonais. La fameuse rue des Japonais, parce que c'est quartier latin en fait, c'est la zone quartier latin, ce qu'on appelle. Non, c'est à Opéra, juste à côté du Louvre, des grands magasins, du Palais Royal. C'est ça, là, bien sûr. C'est vraiment très central. Mais bien sûr, c'est la rue japonaise où beaucoup de gens viennent pour manger. Qui se trouve dans le 2e arrondissement. Tout à fait. Et je vois très bien cette rue. En effet, je mélangeais avec le quartier latin. Merci Alice Belfer d'être venue me faire partager votre passion de l'hôtellerie et de l'inclusion. 3 postes à pourvoir, donc. Je ne sais pas où vous en êtes dans le recrutement, là. Alors, on fait les job dating avec la CCI, avec le Club Paris, avec les entreprises s'engagent. Il y a beaucoup de job dating qui se font pour les personnes qui sont laissées un peu en dehors du circuit du travail, donc inclusif. Bravo Alice, merci d'être venue nous rendre visite. Alice Belfer, directrice management, la fille de celui qui a
qui avait l'hôtel, mais l'hôtel est né. Celle est de celui. Qui est né bien, bien en amont, au 18e ou 19e siècle, là où Baudelaire a dormi. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause et on va se tourner vers le cercle RH et nos invités. On va parler de la tech et de la cybersécurité. Ce sont des métiers principalement d'hommes. Que se passe-t-il? Pourquoi les femmes n'accèdent pas à ces métiers? C'est un tort. On va en parler d'ailleurs avec l'une d'entre elles qui est à la tête d'une entreprise. On les accueille juste après la pause.